Donc je lance, c'est ça. On est bon. A priori, c'est bon. Impec. Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous recevons aujourd'hui Jean-Noël Barrot, ministre chargé de la transition numérique et des télécommunications. Alors, nous savons tous que si le numérique peut être un vecteur formidable de diffusion des connaissances et d'ouverture au monde, il peut aussi s'avérer dangereux pour les mineurs, notamment atteinte à leur vie privée, cyberharcèlement ou encore exposition à la pornographie dès leur plus jeune âge. L'association Génération Numérique a mené une enquête 2022 auprès des jeunes de 11 à 18 ans qui a révélé des chiffres inquiétants. 41% des jeunes avaient été victimes de cyberharcèlement, 34% s'étaient fait voler leurs données personnelles. Par ailleurs, 31% déclaraient rester éveillés la nuit pour regarder leur écran. S'agissant de l'accès au contenu pornographique, un sondage de l'IFOP de 2017 estimait à 14 ans l'âge moyen pour un premier visionnage de ce type de contenu. L'association Génération Numérique disait que ça tournerait plutôt autour de 11 ans à l'heure actuelle. C'est pourquoi la protection des mineurs en ligne reste un défi. La délégation a organisé en décembre dernier un colloque autour du numérique et de la protection des mineurs. Ce colloque a mis en avant le besoin d'éducation au numérique, à la fois pour les enfants et aussi pour les parents. Internet est donc un moyen utile et amusant pour les enfants afin qu'ils puissent s'informer, apprendre et communiquer, mais il peut également présenter des dangers. On pense évidemment cyber-intimidation, avec tout ce qui est harcèlement, menaces, humiliation en ligne par d'autres enfants ou adolescents. Il y a également l'exposition à des contenus inappropriés, des images, des vidéos, du contenu textuel qui peuvent inclure la pornographie, mais également la violence ou des discours haineux. Ou encore le grooming, où les enfants sont ciblés particulièrement par des personnes malveillantes qui cherchent à les exploiter en ligne, comme les pédophiles, qui cherchent à les séduire pour les inciter à des comportements sexuels en ligne ou en personne. Il ne faut pas également oublier le partage de données personnelles. Les enfants peuvent être incités à partager des informations personnelles en ligne, telles que leur nom, leur adresse ou leur numéro de téléphone, ce qui peut les rendre vulnérables à tous les abus et aux exploitations. Nous avons donc pour accompagner les enfants un enjeu en matière de contrôle, mais également en matière de supervision de l'utilisation d'Internet par les enfants. Dès lors, la responsabilisation des parents est nécessaire. Pour les aider dans cette tâche, il devra y avoir prochainement un dispositif déployé de contrôle parental sur les appareils connectés vendus en France. Rappelons que cette initiative est issue du banc du Parlement, puisque c'est notre collègue Bruno Stuber qui en était initiative. Monsieur le ministre, pourrez-vous nous indiquer comment ce dispositif sera décliné? Il y a également un enjeu de l'appropriation de ce moyen par les parents. Dans ce cadre, qu'est-il envisagé pour sensibiliser les parents à la mise en place de ce contrôle et plus généralement aux dangers du net? D'ailleurs, pouvez-vous nous indiquer comment le site mis en place par le gouvernement « Je protège mon enfant » est-il porté à connaissance des parents? L'autre enjeu que les enfants nous ont engagés à traiter lors de leur venue à l'Assemblée nationale en novembre dernier concerne le harcèlement scolaire. Notre collègue Erwan Balanant a porté un texte de loi de lutte contre le harcèlement qui a été adopté et qui fixe parmi les objectifs assignés aux acteurs d'Internet la lutte contre le cyberharcèlement et consacre l'obligation de modération des contenus de harcèlement scolaire sur les réseaux sociaux. Pouvez-vous nous faire un point, monsieur le ministre, sur la mise en place réelle de cette obligation? Et plus généralement, hier vous annonciez que le 30-18 serait dorénavant disponible 365 jours par an. Pouvez-vous nous faire un point de l'utilisation de ce 30-18? Enfin, en 2020, nous avons voté la nécessité de contrôler strictement l'accès à la pornographie pour les mineurs. Vous avez annoncé le 5 février dernier un dispositif de certification de l'âge pour bloquer l'accès des mineurs aux sites pornographiques. Pouvez-vous nous en détailler les modalités et son calendrier de mise en œuvre? Je vous laisse donc, monsieur le ministre, la parole pour un propos liminaire et pour répondre à ces premières questions. Et nous aurons par la suite un échange avec les questions des membres de la délégation. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Merci beaucoup pour l'invitation et l'occasion de rappeler ce que fait le gouvernement en lien étroit avec les parlementaires et leurs travaux pour mieux protéger nos enfants en ligne. Vous l'avez très bien résumé en introduction. Dans l'espace numérique, les enfants sont confrontés à un certain nombre de violences. D'abord parce qu'ils accèdent de manière insuffisamment contrôlée à des contenus qui leur sont pourtant interdits dans leur intérêt pour les protéger. D'autre part parce qu'ils sont victimes
en grand nombre et par millions de phénomènes comme le cyberharcèlement, mais aussi qu'ils peuvent être victimes de phénomènes de prédation sexuelle, comme vous l'avez rappelé. Et puis enfin, parce que dans l'ère numérique, se nouent de nouvelles formes de dépendance et d'addiction qui ont, même si la littérature scientifique n'en est qu'à ses débuts pour l'établir de manière très formelle, vraisemblablement des effets délétères sur le développement affectif de nos enfants. Et donc face à cela, notre réponse est multiple, si l'on peut dire, avec d'abord des mesures de prévention et de sensibilisation, à la fois à destination des parents et des enfants. Deuxièmement, des mesures de responsabilisation des acteurs de ce monde numérique et en particulier des plateformes. Et puis, troisième volet de notre action, c'est de garantir la bonne application de la loi. Sur le sujet de la prévention et de la sensibilisation, vous avez évoqué le contrôle parental. La loi Studer du 2 mars 2022 vient généraliser le contrôle parental sur tous les appareils vendus en France. Et ça concerne à la fois les consoles de jeux vidéo qui disposent en général et depuis un certain temps de dispositifs de contrôle parental, mais désormais les smartphones et les tablettes. Le décret d'application de la loi Studer a été signé à l'automne. Il a été notifié à la Commission européenne qui a donné son feu vert le 16 janvier dernier. La prochaine étape, c'est la validation par le Conseil d'État. Et une fois cette validation acquise, les acteurs auront un an pour se mettre en règle. Et à partir de là, tous les appareils seront donc dotés du contrôle parental. Le contrôle parental, c'est un outil à disposition des parents, mais encore faut-il qu'ils puissent en connaître l'utilisation et le bon usage. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait, c'était je crois votre deuxième question, en sorte avec Jean-Christophe Combe et Charlotte Kobel de lancer une campagne de communication qui a démarré la semaine dernière autour du site jeprotègemonenfant.gouv.fr, qui est le site de référence pour l'accompagnement des parents dans leur parentalité numérique, avec les informations sur le contrôle parental, mais aussi sur les autres outils à leur disposition pour accompagner progressivement. C'est d'ailleurs cette par analogie avec l'apprentissage de la nage qu'a été construite cette campagne de communication. Quand on accompagne pour la première fois un enfant à la piscine ou sur la plage, on ne lui lâche pas la main, on ne le laisse pas aller explorer tout seul un milieu qui peut être hostile, même s'il peut apparaître comme ludique au premier regard. On lui tient la main et on l'accompagne progressivement vers des usages de plus en plus indépendants et autonomes. Et puis, dernier élément, en plus du contrôle parental de ce site qui fait l'objet d'une campagne de communication, c'est le campus de la parentalité numérique, qui est une initiative qui a été lancée sous le quinquennat précédent. Grâce à l'action des associations comme l'UNAF, e-enfance, Open, que vous connaissez bien, un cahier des charges a été mis en place pour la construction d'un label Campus de la parentalité numérique, qui permettra de labelliser partout sur le territoire les initiatives d'accompagnement à la parentalité. Et nous avançons avec Jean-Christophe Combe, qui a la charge de cette politique publique, sur ce dispositif et la labellisation est en cours actuellement. Dernier élément sur la sensibilisation de ce qui a été fait en tout cas récemment et que je veux porter à votre connaissance, c'est la sensibilisation directement des enfants, puisque désormais, en tout cas à partir de la rentrée prochaine, tous les élèves de 6e bénéficieront d'un passeport Internet. Passeport Internet, c'est un module de sensibilisation qui a été conçu par PIX et qui, au travers de quelques apprentissages actifs, permet aux enfants d'apprendre ou de découvrir à la fois les risques auxquels ils s'exposent en ouvrant un compte sur un réseau social, en naviguant sur Internet, mais aussi leur donne les conseils et les gestes à adopter lorsqu'ils sont témoins
victimes de cyberharcèlement ou lorsqu'ils rencontrent des difficultés particulières. Et c'est là où ils vont découvrir le 3018 que vous avez évoqué, sur lequel je reviens dans un instant. C'est là où ils vont découvrir aussi qu'un mot de passe doit être conçu pour être véritablement protecteur, etc. Le 3018, qui a effectivement fait l'objet d'un renforcement de ses moyens annoncés la semaine dernière, avec désormais une ligne ouverte 7 jours sur 7, 365 jours par an, de 9h à 23h, avec 8 écoutants supplémentaires recrutés. Il est à noter que le 3018, qui a été lancé en mai 2021, a été complété depuis février 2022, donc depuis un an, par une application qui rencontre un grand succès, puisque là où les enfants ont parfois quelques difficultés à prendre le téléphone pour appeler le 3018, on constate qu'ils sont de plus en plus nombreux à contacter les écoutants au travers de l'application. Pour donner quelques éléments chiffrés, 25 000 appels reçus en 2022, par rapport à 18 000 en 2021. C'est une progression assez nette qui s'explique à la fois peut-être par la progression des violences, mais aussi par la notoriété croissante de l'application. Et puis 25 000 téléchargements depuis un an de l'application elle-même, ce qui démontre une forme d'appropriation par les jeunes. Et le résultat de ces appels, c'est d'abord l'écoute qu'apportent les professionnels du 3018, mais ce sont aussi 10 000 comptes et contenus supprimés en 2022. C'était 3 000 en 2021. Sur la question, donc voilà pour les sujets de prévention et de sensibilisation. Sur le sujet de la responsabilisation des acteurs, simplement évoquer un règlement européen que vous connaissez, qui est le règlement sur les services numériques, le Digital Services Act, qui va faire évoluer la manière dont nous traitons par le droit les plateformes, et en particulier les plateformes de réseaux sociaux, puisque jusqu'à présent, elles étaient considérées comme de simples hébergeurs, sans aucune responsabilité ou très peu de responsabilité vis-à-vis des contenus, des messages en particulier, qui transitaient sur leur plateforme. Désormais, elles sont assujetties à un certain nombre de responsabilités de modération, d'analyse des risques qu'elles font peser sur la démocratie, mais aussi sur leurs utilisateurs. Il y a un certain nombre de mesures de ce règlement qui va entrer en application dans le courant de l'année 2023, qui touchent directement les enfants, en particulier l'obligation de proposer des conditions générales d'utilisation facilement compréhensibles pour les enfants, l'obligation de prendre les mesures appropriées et proportionnées pour assurer le plus haut niveau de protection de la vie privée et la sécurité des mineurs, comme le fait de prévoir des interfaces adaptées ou d'adopter des paramètres spécifiques, et comme le fait d'empêcher tout contact direct avec un mineur hors du cercle d'amis. Interdiction de diffuser de la publicité ciblée sur les mineurs, et puis obligation de proposer des mesures ciblées d'atténuation des risques identifiés pour protéger le droit des enfants, tels que des outils de vérification de l'âge et de contrôle parental. Je le signale parce que c'est une petite révolution que l'Europe a acquise, en faisant valoir que si l'on souhaitait diffuser ou en tout cas mettre à disposition des citoyens européens des espaces numériques comme les plateformes de réseaux sociaux, alors il fallait se conformer à un certain nombre de règles. Puis sur l'application de la loi, et c'est mon troisième élément que je veux partager avec vous, en plus de la prévention et de la responsabilisation des acteurs, sur l'application de la loi, nous avons effectivement la loi du 30 juillet 2020, qui, dans ses articles 22 et 23, a renforcé les conditions ou précisé les conditions dans lesquelles les sites pornographiques doivent vérifier l'âge de leurs utilisateurs. Comme vous le savez, une fois le décret d'application de cette loi publié le 7 octobre 2021, l'ARCOM a mis en demeure 5 sites pornographiques de vérifier sérieusement l'âge de leurs utilisateurs. À l'issue de la période de mise en demeure de 15 jours, comme le prévoit la loi, le président de l'ARCOM a saisi le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir une interruption du service via les fournisseurs d'accès Internet et le déréférencement. Le tribunal judiciaire de Paris a convoqué une audience à laquelle les sites pornographiques se sont présentés en présentant à cette occasion une question prioritaire de constitutionnalité. Le juge a décidé de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité
à la Cour de cassation et à solliciter une médiation entre l'ARCOM et les sites pornographiques. La question prioritaire de constitutionnalité n'a pas été transmise, ou en tout cas, la Cour de cassation a décidé le 5 janvier dernier de ne pas transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. La médiation qui est encore en cours et sur la fin, puisque l'ARCOM a annoncé la semaine dernière, mardi dernier pour être précis, qu'elle sortait de ce processus de médiation. La porte est désormais ouverte à ce que la procédure puisse se poursuivre et à ce que le juge puisse se prononcer sur une interruption du service des sites pornographiques, puisque la dernière fois que j'ai vérifié, il n'avait toujours pas mis en place de vérification d'âge. Ce à quoi nous travaillons, c'est à faire émerger une solution de vérification d'âge qui respecte un principe de double anonymat, c'est-à-dire que celui qui fournit l'attestation de majorité ne sait pas ce pour quoi elle va être utilisée. Et quand je dis celui, ça peut être un opérateur télécom, ce peut être un fournisseur d'identité numérique, ce peut être tout autre organisme susceptible d'attester de la majorité d'une personne. Et le site sur lequel l'attestation est utilisée pour accéder au service ne connaît pas l'identité de la personne. C'est cela le principe de double anonymat. Et de l'avis de l'ARCOM comme de l'avis de la CNIL, c'est le système le plus robuste, non seulement pour résoudre une bonne fois pour toutes la question de la vérification d'âge sur les sites pornographiques, mais éventuellement à l'avenir pour effectuer d'autres vérifications d'âge sur d'autres services dont nous voulons protéger nos enfants. Ce système de double anonymat, il sera expérimenté à partir de la fin du mois de mars par un collectif d'entreprises qu'il est encore un petit peu tôt pour présenter de manière exhaustive et publique. Et nous espérons que dans les mois qui viennent, cette solution aura fait ses preuves. Ceci étant dit, rien n'empêche dès aujourd'hui les sites pornographiques de mettre en place des vérificateurs d'âge. Ils les connaissent, ils les ont parfois déjà expérimentés, ils ont parfois même acheté par voie d'acquisition externe des entreprises de vérification d'âge. Donc rien ne les empêche, évidemment, dans le respect d'un certain nombre de grands principes qui sont connus parce que l'ARCOM les a évoqués, la CNIL aussi, de mettre en place ces vérifications d'âge. Ce que nous préparons, c'est un système qui sera suffisamment robuste pour qu'il soit inattaquable chaque fois que nous allons faire progresser le droit dans le sens d'un plus grand contrôle des limites d'âge à l'entrée des sites Internet. Voilà ce que je voulais dire en introduction, sans être trop long, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour ces premières réponses. Je vais donner la parole à un orateur par groupe dans un premier temps. Madame Janvier, pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, ravi de vous avoir aujourd'hui sur un sujet qui nous concerne tous, qui me concerne moi sur la question de l'exposition en tant que telle, donc quel que soit le contenu, puisque j'ai travaillé, on a eu l'occasion d'en échanger sur une loi qui sera débattue à compter du 6 mars sur la façon dont la puissance publique prévient l'ensemble des parents, car il y a aujourd'hui une inégalité d'information sur les risques d'une exposition excessive aux écrans. Et l'on constate en effet que ce temps d'exposition augmente. Il est en moyenne aujourd'hui de 3 heures pour la tranche de 0-2 ans. Et par ailleurs, on connaît de mieux en mieux les effets sur le langage, sur le sommeil, sur l'alimentation notamment. Mais j'aurais voulu, moi, vous entendre sur un sujet qui est relatif à ça. C'est la façon dont vous arrivez à travailler avec les plateformes, avec un certain nombre d'acteurs comme les GAFAM. Je pense notamment Google avec sa plateforme YouTube Kids, puisque je n'ai pour ma part pas réussi à obtenir de tous les éléments que j'aurais souhaité, notamment sur les algorithmes qu'ils utilisent
pour eh bien capter l'attention des enfants. Hein. On sait que beaucoup de contenus sont conçus avec dans l'objectif, en tout cas, d'activer les circuits de récompense. On a différents ouvrages sur cette question. Je pense notamment à Bruno Patino, qui a bien documenté ces modèles-là, hein, cette économie du marché de l'attention, dans son ouvrage La civilisation du poisson rouge. Et j'ai pour ma part des difficultés à obtenir de ces acteurs-là eh bien, les données qui sont utilisées pour construire ces contenus, données qui servent aussi sans doute à construire des outils comme le contrôle parental qui permettent eh bien, de limiter ces effets-là. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Madame Parmentier pour le Rassemblement national. Monsieur le ministre, vous avez déjà répondu en grande partie à ma question, je dois dire. Les études montrent que l'exposition des enfants aux écrans, notamment en ce qui concerne les plus jeunes, peut avoir des conséquences graves sur leur développement psychologique et psychique, sur leur sommeil, sur le développement de leur cerveau, sur leur capacité d'attention ou encore sur leur faculté de mémorisation. On sait qu'elle peut créer des phénomènes d'addiction. Par rapport aux parents, justement, de nombreux parents conscients des risques se demandent parfois comment trouver un équilibre raisonnable entre autorisation et interdiction. Notre Assemblée s'est saisie de cette question spécifique et va débattre très prochainement à ce sujet. Vous avez évoqué les dispositifs existants ou en cours. Que pensez-vous de la publication d'un guide annuel des bonnes pratiques sur la prévention de l'exposition des enfants aux écrans en fonction de leur âge, un guide qui serait réactualisé chaque année, qui permettrait d'avoir des informations et recommandations utiles et actualisées pour les parents et à destination des parents. J'insiste sur l'actualisation de ce guide par rapport à des réseaux comme TikTok, par exemple. Ça permettrait, je pense, aux parents de ce serait une plateforme agréée par le gouvernement et qui permettrait aux parents qui le souhaiteraient de pouvoir optimiser et limiter le temps d'utilisation, mais aussi repérer les signes d'alerte d'une utilisation excessive. Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame Martin pour Les Républicains. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Moi, je voudrais vous parler des enfants et des parents influenceurs. On a beaucoup parlé, vous avez évoqué le droit à la vie privée, à l'image, à l'intimité. Et c'est vrai que la digitalisation de la vie familiale est en forte augmentation. Je pense qu'aucun de nous n'a échappé aux images, vidéos mises en ligne, relatant des moments de vie, de partage, d'émotions, de jeux, de parents, mais aussi des enfants. Pourtant, cette médiatisation de l'enfance en campagne s'accompagne de toute une série d'interrogations sur les méfaits de celle-ci. Alors que cette activité représente pour certains une source de revenus importante, allant de quelques centaines à plusieurs milliers d'euros par mois grâce à la publicité, ce phénomène des parents et enfants influenceurs inquiète fortement les associations, les médecins, les professeurs, notamment en matière de consentement. En effet, 56% des parents avouent ne pas avoir obtenu celui-ci avant de publier un de ces moments d'intimité. 4 ados sur 10 trouvent que leurs parents les ont trop exposés sur les réseaux. Fait plus alarmant, 39% des bébés ont déjà une empreinte digitale, numérique, avant même d'être mis au monde. Alors si la loi du 19 octobre 2020 visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image des mineurs sur les plateformes en ligne et son décret d'application sont venus encadrer ces pratiques, le respect du droit à l'image des enfants reste insuffisant. Ce texte prévoit deux cas de figure, l'activité pouvant être considérée comme un travail et l'activité étant considérée hors du milieu du travail. Alors qu'une activité considérée comme un travail, le texte prévoit toute une série de mesures de protection de l'enfant, c'est l'activité considérée ne relevant pas du travail qui pose problème. De nombreux parents se sont infiltrés dans cette catégorie, alors même que 90% des situations relèveraient de la relation du travail. Ma question est donc la suivante, Monsieur le Ministre. Quelles mesures envisagez-vous de prendre pour encadrer davantage cette pratique et protéger les enfants de ces situations? Merci. Merci à vous pour terminer ce premier tour de table, Madame Lebon pour le groupe GDR. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, c'est une situation d'urgence à La Réunion. L'illectronisme touche près d'un quart de la population. En 2017, 23% des Réunionnais ne s'étaient jamais connectés à Internet selon l'INSEE. En 2021, ils étaient encore un quart à affirmer avoir des difficultés avec l'ordinateur. Pourtant, il est indispensable de maîtriser les compétences informatiques et numériques à l'heure où la plupart des démarches administratives s'effectuent en ligne. La fracture numérique est certaine. J'étais enseignante pendant le confinement
Et nombreux étaient mes élèves qui n'avaient soit pas Internet, soit uniquement un smartphone par famille. Et vous conviendrez que quand on a 3 enfants scolarisés, c'est problématique. Le coût élevé du matériel et de l'abonnement Internet, qui est bien plus cher que dans l'Hexagone, sont les 2 principales raisons évoquées par les Réunionnais pour expliquer l'absence d'équipement électronique chez eux. Vous évoquiez tout à l'heure le contrôle parental. Encore faut-il, monsieur le ministre, que les parents aient quelques notions d'informatique. Quel est le plan du gouvernement pour combler le fossé, soigner la fracture qui handicape fortement nos territoires à l'heure du tout numérique? Et j'ai un autre sujet dans ma question. J'ai une question qui concerne l'application AirDrop. Avec des smartphones d'une marque bien connue, il est possible de s'envoyer des photos, des contenus qui peuvent être inappropriés et qui peuvent ouvrir la voie à du cyberharcèlement, je vais y arriver, quand le téléphone est à proximité, même si les numéros n'ont pas été échangés. Alors j'imagine que vous connaissez ce problème, mais là encore, que prévoyez-vous pour lutter contre ce phénomène? Merci. Merci beaucoup, et si vous me permettez, Madame Lebon, le 30-18 est ouvert de 9h à 23h, Monsieur le ministre. Comment peut-on faire pour certains territoires d'outre-mer? Je ne l'avais pas posé, je pensais que vous le feriez, mais du coup je me permets de compléter. Merci Madame la Présidente. Pour commencer, la question de Madame Janvier sur les algorithmes, c'est évidemment un point central dans les mots qui peuvent toucher les enfants, quel que soit l'âge d'ailleurs. Le parti pris du règlement européen, c'est 2 choses. La première, c'est de faire la transparence sur ces algorithmes, c'est-à-dire de les faire auditer, en tout cas pour les algorithmes des principales plateformes, par des organismes extérieurs et indépendants. C'est d'ouvrir les données de ces réseaux-là à des chercheurs. Et ça, c'est une mesure qui était attendue depuis longtemps et qui deviendra désormais obligatoire. Évidemment, il faudra être très vigilant à la bonne application de ce principe-là. Donc, c'est la transparence. Le deuxième élément du règlement sur les services numériques, c'est d'imposer à ces plateformes de présenter un algorithme qui ne soit pas fondé sur l'utilisation des données personnelles. Alors, ça existe déjà, parfois, sur certaines plateformes, mais c'est très dissimulé. C'est-à-dire que si vous voulez activer sur un réseau social aujourd'hui l'algorithme qui ne repose pas sur vos données personnelles, c'est-à-dire votre graphe sociale, pour ceux qui reposent sur le graphe social, ou la comptabilisation des secondes que vous passez sur les vidéos quand on est plutôt sur TikTok, en général, cet algorithme, il faut le chercher longtemps. Et là aussi, il faudra être vigilant dans l'application du règlement sur les services numériques à ce que cette option d'algorithme qui ne repose pas sur les données personnelles soit vraiment mise en avant et facile d'accès. Le dernier élément, c'est l'interdiction de la publicité ciblée sur les mineurs qui va peut-être conduire spontanément les plateformes à être plus enclines à développer des espaces plus sécurisés, puisque désormais la guerre à la captation de l'attention des enfants sera moins rentable dès lors que la publicité n'y sera plus permise. Ceci étant dit, je le souhaite vivement, mais je ne suis pas 100% certain que toutes ces mesures suffiront à aller jusqu'au bout du chemin. Donc, dans la phase qui s'ouvre, qui est celle de la mise en application du DSA, il nous faut rester très vigilants. Sur les questions de Madame Parmentier, effectivement, et ça revient dans d'autres des questions qui ont été posées, l'une des grandes questions, c'est jusqu'où faut-il renforcer ou accompagner l'autorité parentale, et jusqu'où faut-il aller ou à partir de quel moment faut-il déposséder l'autorité parentale et procéder par interdiction. Ce sont des sujets qui sont très délicats, s'agissant notamment, même si Caroline Janvier l'a rappelé tout à l'heure, les éléments scientifiques s'accumulent, mais il s'agit d'un phénomène relativement nouveau. Et autant
pour l'alcool, pour le tabac. On a désormais un consensus scientifique totalement établi, quels que soient les pays, pour démontrer qu'il est sain d'interdire à tout enfant de consommer ces produits-là, même si leurs parents sont d'accord. On voit bien que, selon ce dont on parle, les écrans, l'accès aux réseaux sociaux, l'accès à peut-être d'autres services numériques, la question reste posée et je crois qu'il appartient au débat démocratique de la trancher. Sur le guide que vous évoquez, alors notre mission n'est pas totalement achevée puisque vous êtes impliqué dans la délégation aux droits des enfants. Si vous n'avez pas encore identifié jeprotegemonenfant.gouv.fr comme étant le lieu où un guide comme celui-ci sur le contrôle parental, sur les outils d'accompagnement des enfants en ligne peut être trouvé, c'est que nous n'avons pas encore suffisamment bien fait connaître cet outil. Et donc j'invite les membres de la délégation à nous faire part de leurs critiques constructives sur jeprotegemonenfant.gouv.fr, puisque l'idée, c'est d'essayer de rester sur un point de référence unique pour les parents. Sur les questions posées par Madame Martin, donc là, c'est bien là où je voulais en venir quand j'évoquais cette tension entre la dépossession de l'autorité parentale et la nécessité de la renforcer par ailleurs pour accompagner les parents dans la protection de leurs enfants. Et donc, s'agissant de la mesure influence, enfin de la question des enfants influenceurs, il y a la loi que vous avez citée, la loi Studer, qui a permis de commencer à encadrer les choses. Et puis nous aurons ce débat au Parlement, puisque Bruno Studer, comme vous le savez, a déposé une nouvelle proposition de loi qui vient en modifiant, ou qui propose en tout cas, en modifiant le code civil, de souligner la responsabilité qui est celle des parents, sans pour autant venir les pénaliser excessivement, mais enfin quand même avec une inscription dans le code civil qui n'est pas sans nous rappeler une proposition de loi que Maud Petit avait portée il y a quelques années pour les violences éducatives ordinaires, qui elle aussi est venue modifier le code civil moins dans un esprit de sanction des parents que dans un esprit de responsabilisation. Et donc ce débat qui aura lieu dans quelques semaines au Parlement sera l'occasion peut-être effectivement de renforcer des éléments importants de la loi Studer. Je pense en particulier au droit à l'oubli, s'il est jugé par la représentation nationale que ce droit n'est pas pleinement respecté. Et puis sur les questions de Madame Lebon, alors je ne veux pas être trop long, mais les questions de protection sont importantes, celles d'inclusion numérique le sont aussi. Et l'inclusion numérique, ça passe d'abord par la connectivité, l'accès de toutes et tous au réseau de télécommunication. Et c'est la raison pour laquelle nous continuons de veiller au déploiement de deux programmes, le plan France Très Haut Débit, qui a commencé il y a 10 ans et qui vise à déployer la fibre sur l'ensemble du territoire national, hexagoné et outre-mer. Et donc là, sur ce sujet, qui ne relève pas tout à fait de l'expertise de la délégation, mais sur lequel nous sommes très, très attentifs, on est évidemment à l'écoute. Et puis le deuxième programme, ce n'est pas pour le fixe, c'est pour le mobile, c'est le New Deal mobile, qui, dans chacun de vos départements et de vos territoires, continue de se déployer et qui a, lui, vocation à effacer des zones blanches grâce à un accord trouvé il y a 5 ans entre les opérateurs et l'État pour dire que l'accès aux fréquences serait prolongé à condition que les opérateurs prennent des engagements d'effacement de ces fameuses zones blanches. C'est 5000 zones blanches qui sont concernées. 2000 ont déjà été effacées. Il en reste 3000 encore. Et à l'issue de ce New Deal mobile, nous verrons s'il reste encore des zones à couvrir. Mais une fois qu'on est connecté, encore faut-il être à l'aise avec le numérique. Et vous avez fait état des chiffres de l'électronisme à La Réunion. Combattre l'électronisme sur tous les territoires de France et pour toutes les tranches d'âge, parce qu'en réalité, on s'aperçoit qu'il y a certes les personnes âgées qui sont particulièrement concernées, mais que dans la jeunesse, et en particulier la jeunesse défavorisée, autant on peut savoir utiliser WhatsApp ou les jeux vidéo, autant on est totalement démuni lorsqu'on nous demande de faire un mail ou de remplir un questionnaire en ligne. La politique qui est très neuve d'inclusion numérique repose sur les 4000 conseillers numériques qui ont été recrutés en 2021, déployés dans l'ensemble du territoire
est placé auprès des collectivités, des chambres d'agriculture, des CCAS, des maisons France Services, et qui nous appartient désormais, politique qui nous appartient désormais de structurer et de pérenniser, structurer au niveau du bassin de vie, c'est-à-dire que dans chaque territoire, chacun puisse identifier qui est le chef de file de la politique d'inclusion numérique, qui aujourd'hui est un peu disséminée entre tous les acteurs qui s'en occupent, de la secrétaire de mairie, qui en réalité participe aujourd'hui à l'inclusion numérique, jusqu'au département quand il a un syndicat numérique, en passant par Emmaüs Connect ou d'autres. Le 3018 pour l'outre-mer, il est également. Alors, il y a le numéro de téléphone, mais oui. Il est disponible par chat et par mail, mais je pense que les horaires sont aux horaires françaises, donc c'est une bonne question. Oui, pardon, métropolitaine, aux horaires à l'heure de Paris, ce qui signifie effectivement mais on nous dit dans l'oreillette qu'il est possible que les contacts écrits, donc par l'application, par la messagerie ou par le mail, permettent de nous joindre H24, même si la réponse est décalée. Mais enfin, on va quand même vérifier ce point et qui mérite donc d'être renforcé si certains territoires d'outre-mer ne sont pas couverts. Et s'agissant de l'airdrop, là, je ne sais pas vous répondre, mais je vous propose de me renseigner et de vous revenir avec des éléments plus précis. Je crois que Madame Lebon voulait réagir et après je passerai à ceux qui m'ont fait part de volonté de questions. Les autres peuvent encore me le faire. Je vais être très brève. J'apprécie vraiment que vous ayez pris le temps de répondre en détail. Il reste néanmoins un point qui est très compliqué. Dans une île où 37% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, quand on paye l'abonnement Internet jusqu'à 3 fois plus cher que dans l'Hexagone, on a un souci. Merci beaucoup. Madame Petit. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je voudrais vous remercier à mon tour d'être présent parmi nous cet après-midi. Je crois que nous serons assez unanimes pour vous remercier aussi de l'engagement que vous prenez à trouver des réponses, des solutions concernant les droits de l'enfant. Moi, j'ai un sujet un petit peu particulier, on en a déjà parlé. C'est le sujet de la pédocriminalité et donc de la protection des mineurs sur les réseaux sociaux. Il y a quelques années, c'était en 2021, j'avais rencontré la team Moore, qui parle à certaines d'entre nous, je pense, qui est un collectif citoyen qui lutte donc contre la pédocriminalité sur Internet. Le collectif fait part en fait de son souhait d'obtenir un statut légal pour créer une véritable collaboration entre les forces de l'ordre et les services judiciaires. Je vous remercie d'ailleurs, Monsieur le Ministre, puisque vous avez accédé à ma demande de les rencontrer, ce que nous allons faire très prochainement, et nous aurons hâte d'en échanger de façon plus précise avec vous. Mais en amont donc de ce rendez-vous, j'aimerais savoir si vous estimez que les solutions qui sont proposées aujourd'hui, comme la plateforme Je protège mon enfant, est suffisante pour protéger nos enfants de ces attaques de pédocriminels, tout simplement. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Portier. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Merci pour votre présentation. Quand les choses vont, il faut aussi les saluer. Et ce qui est appréciable dans votre approche, c'est qu'il y a effectivement une volonté d'apporter des solutions. Alors, tout est toujours perfectible, mais il y a une approche qui est concrète, opérationnelle, et c'est tout à fait louable. J'avais 3 questions assez concrètes. La première, c'était sur le 30-18. Vous aviez évoqué tout à l'heure 8 recrutements supplémentaires. Est-ce que vous pourriez nous préciser, s'il vous plaît, le nombre total d'agents mobilisés pour le faire vivre. Ma deuxième question portait sur le site web jeprotegemonenfant.gouv.fr qui propose plusieurs ressources donc pour les parents et les enfants. Mais sur le site, sauf erreur de ma part, il n'y a pas de lien avec les structures pouvant accompagner éventuellement des parents, par exemple des associations ou des acteurs locaux. Est-ce qu'un répertoire est prévu pour faciliter cette mise en relation? Et puis, troisièmement, ma question portait sur PIX, que vous avez également évoqué, qui a été donc déployé sous forme de passeport numérique à destination des élèves de 6e en novembre dernier.
Est-ce que vous pourriez nous préciser ce que ce nouvel outil vient ajouter au permis Internet, déjà déployé auprès des élèves de CM2, via des interventions dans les classes? Voilà, l'articulation et la différence, comment elle se complète? Je vous remercie. Merci beaucoup. Pardon. Non. Ah non. Merci Madame la Présidente. Madame Lebon, sur les sujets d'accès au très haut débit, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour qu'on regarde les choses. C'est un sujet prioritaire du ministère également. Sur la question de Madame Petit, je pense que non. Le site jeprotegemonenfant.gouv.fr, il a pas vocation à lutter contre la diffusion d'images pédopornographiques. Ce que l'on constate, c'est le développement à l'incitation des États, mais développé par les acteurs privés, les plateformes en particulier, de bases de données dites de H, qui permettent de reconnaître les images qui sont considérées comme étant des images pédopornographiques et d'en accélérer le retrait. Et c'est par la mise en commun de ce type de base de données que les processus de modération, donc de suppression des contenus concernés, d'identification puis de suppression des contenus concernés, vont pouvoir s'accélère en continu. Monsieur le ministre, sur des conversations privées aussi, à caractère privé, justement, parce que ces pédocriminels utilisent les conversations en aparté Messenger, par exemple, pour interpeller ces enfants. Donc ça, c'est un très bon point. C'est un sujet qui n'est pas encore tranché, qui fait l'objet de discussions au niveau européen, où, là encore, l'impératif de protection des enfants vient, non pas se heurter, mais vient se questionner ou réinterroger certains autres objectifs que l'on s'est donnés en vertu de certaines libertés ou droits fondamentaux auxquels nous sommes attachés. Je pense en particulier à la question de la vie privée et de la protection des données personnelles qui ont conduit des opérateurs comme WhatsApp, comme d'autres opérateurs de messagerie, à développer les messages cryptés de bout en bout, qui permettent à deux personnes de communiquer sans que leur communication ne soit connue, y compris par la plateforme elle-même. Vous avez raison de signaler qu'un certain nombre des violences, et celles qui touchent les mineurs, mais pas seulement, commencent à se délocaliser, à se déporter des réseaux sociaux, sur lesquels chacun peut connaître ce qui se passe, vers des espaces beaucoup plus fermés, comme les services de messagerie. Il va donc nous falloir adapter nos moyens de contrôle et de recherche des contenus illicites, et en particulier les contenus pédopornographiques, les contenus terroristes également. La question qui est désormais posée, c'est faut-il briser l'encryption des messages pour y parvenir, c'est-à-dire ordonner à celles et ceux qui sont des opérateurs de messagerie de scanner l'ensemble des messages et donc de compromettre l'encryption de ces messages-là. Ou existe-t-il d'autres solutions, par exemple des solutions qui opéreraient ce scan ou ce filtrage des messages à partir du terminal de l'utilisateur plutôt que du répertoire, par l'interception des communications qui sont émises et qui vont d'un utilisateur vers l'autre. Je crois que c'est en ces termes que le débat est posé. Je crois qu'il doit être possible, à partir du contrôle, à partir du terminal de l'utilisateur, c'est un peu de la même manière qu'on procède avec le contrôle parental, de procéder à ces contrôles sans avoir nécessairement à briser l'encryption qui protège aujourd'hui la sécurité des données personnelles et la vie privée des utilisateurs. Quant aux questions de M. Portier, donc sur le 3018, c'est aujourd'hui 20 personnels qui sont consacrés à l'écoute et qui ont permis donc la réponse à 25 000 appels et au traitement
des demandes transitant par l'application pour les 25 000 personnes qui ont téléchargé l'application. Sur le site Je protège mon enfant, il y a un renvoi vers le 3018, mais en tout cas, moi, ce que je souhaite, c'est que dès lors que les associations des campus de la parentalité numérique auront été labellisées, qu'on puisse les y trouver, comme vous le suggérez. Et puis enfin, sur PIC, c'est un très bon point. Alors, il existe un dispositif financé par AXA et opéré par la gendarmerie qui s'appelle le passeport numérique de mémoire, qui a bénéficié à des sixièmes, qui bénéficie désormais au CM2 et qui consiste à associer l'enseignant à la diffusion d'un certain nombre de bonnes pratiques dans la salle de classe, module à l'issue duquel le gendarme vient témoigner ou vient vérifier que les informations ont bien été acquises par les élèves. Et c'est un dispositif qui a très bien fonctionné puisque, d'après AXA, ce sont 3 millions d'enfants français qui en ont bénéficié. C'est très bien. Avant, voilà. Voilà. Donc, dans le Loiret, le dispositif a très bien fonctionné. Le passeport Internet, c'est vrai qu'il peut y avoir un peu confusion, mais à la limite, c'est pas grave parce que, au fond, l'important, c'est que ça soit déployé. C'est une idée qui avait germé sous le quinquennat précédent, qui avait été un peu oubliée et que nous avons réactivée au début de ce quinquennat-ci, et qui consiste en un module qui sera dispensé non pas dans la salle de classe, mais dans la salle d'informatique, et qui va placer les élèves de 6e et peut-être à terme de CM2, évidemment, face à des questions qui leur sont posées et qui les amènent à un apprentissage actif. Autrement dit, il ne s'agit pas de textes rébarbatifs ou de QCM un peu abstrait, mais il s'agit de demander à l'élève quel est le numéro de téléphone qu'il faut appeler quand on est victime ou témoin de cyberharcèlement. Bon, moi, j'ai fait le test à côté d'élèves qui étaient bien en peine de trouver ce numéro et qui vont sur Internet chercher le numéro, qui vont ensuite répondre à la question pour pouvoir passer à la question suivante. Et donc, c'est une méthode d'apprentissage par l'action qui a l'air d'être très efficace, puisqu'à l'issue du module avec le ministre de l'Éducation nationale, nous avons interrogé les enfants et nous avons pu constater que, en tout cas, bon, une heure après l'avoir passé, ils étaient très au fait d'un certain nombre de choses qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Donc, je pense que les deux dispositifs se complètent bien et que le passeport Internet, donc le module PIC, sera dispensé à tous les élèves de 6e en France, le passeport Internet dans le Loiret et dans les autres départements qui ont la chance d'en bénéficier. Mais je pense que voilà, c'est une double protection et qu'elle est bienvenue. Madame la Présidente. Merci beaucoup. Je crois que Maud Petit voulait reprendre la parole et après, je poserai 2-3 questions. Je peux laisser d'autres collègues intervenir. Hein, D'accord. D'accord, merci beaucoup. Oui, c'est un sujet un petit peu particulier. C'est plutôt le lien entre la santé mentale et le numérique. Je m'explique. Je pense à la prolifération des filtres sur les appareils photos, avec les Instagram ou autres applications. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années, il y avait un mouvement qui s'appelait Pro-Ana, Ana pour anorexie, qui se servait de blogs au tout début d'Internet. Et ça a évolué, en fait, pour aujourd'hui. De plus en plus de jeunes qui se retrouvent influencés par les filtres surréalistes. Et en fait, ces enfants-là sont confrontés à une image d'eux-mêmes qu'ils ne désirent plus avoir. Ils utilisent des filtres. Donc, ça perturbe souvent leur santé mentale. Alors, j'aimerais savoir si vous avez une idée des engagements que le gouvernement pourrait porter, par exemple, des engagements des plateformes, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, pour que ces questions puissent être abordées et qu'on puisse prévenir, en fait, des troubles de comportement chez ces jeunes-là, en fait. Parce que les jeunes sont dans des situations parfois instables et la proposition de filtres divers pour se voir différemment, pour se faire accepter peut-être par les camarades, n'arrange pas forcément leur situation mentale. Donc, comment est-ce qu'on pourrait trouver les moyens de lutter contre ce genre de choses ? Je vous remercie. Merci beaucoup.
Moi, j'avais deux petits points, ou trois. Le bouclier que vous allez mettre, enfin, la double authentification pour les sites pornographiques est pour moi une bonne solution. Par contre, quid des autres contenus pornographiques qui pullulent sur Twitter, sur d'autres sites internet, sur YouTube, etc. Comment ça, on peut essayer d'intervenir pour les limiter? On pourrait se poser la question aussi de tout ce qui est les images ultra-violentes, notamment de ce qu'on peut voir de décapitation, des choses comme ça, qui sont accessibles à tous. Est-ce qu'il ne faut pas trouver un système d'identification d'images pour mineurs? Il y a peut-être une solution à trouver. Ça, c'était ma première question. Ensuite, sur la partie sensibilisation des parents, je me posais la question, alors c'est peut-être une suggestion plutôt, est-ce que les conseillers numériques, quand déployés partout, ne seraient pas des relais parce que je n'ai pas l'impression que ça soit dans leurs compétences jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on ne pourrait pas, effectivement, demander aux conseillers numériques qui vont souvent dans les territoires, y compris sur le mien, dans les territoires plus ruraux, où il n'y aura peut-être pas l'association qui pourra se déplacer, mais ces conseillers numériques pourraient peut-être faire cette sensibilisation pour les parents. Et ensuite, je voulais deux points. Un, c'est très bien tout ce qui est fait à l'école, mais quelle est la formation des enseignants pour accompagner les enfants dans ce numérique? Et le deuxièmement, pouvez-vous nous faire un point sur le laboratoire qui a été lancé par le président? Merci. Merci, Madame la Présidente. Sur la question de Maud Petit, c'est l'occasion de rappeler que, de la même manière que la littérature scientifique commence à s'accumuler sur les effets des écrans, comme le rappelait Madame Janvier tout à l'heure, sur les effets des réseaux sociaux, on commence à disposer d'une littérature qui établit un lien de causalité, je dis bien de causalité, entre l'usage des réseaux sociaux et le mal-être ou les conséquences en matière de santé mentale des jeunes. Et je crois que c'est important de le rappeler parce que pendant un temps, il a été dit que ces relations relevaient de la corrélation plutôt que de la causalité. Corrélation, c'est-à-dire qu'on peut toujours se dire que peut-être c'est dans les réseaux sociaux que nos enfants les plus fragiles vont trouver une forme d'échappatoire ou de réconfort, et c'est la raison pour laquelle on constate cette relation entre les deux données. Eh bien, nous disposons, alors pas pour la France encore, mais pour d'autres pays, d'études scientifiques expérimentales qui montrent que il y a bien un effet de causalité qui va de l'utilisation des réseaux sociaux vers certains désordres psychosociaux ou de santé mentale. C'est la raison pour laquelle le règlement sur les services numériques consacre un chapitre particulier à la question des enfants. Et même si je concède que le dire comme ça devant la délégation peut paraître un petit peu peut-être abstrait ou nébuleux, il y aura bien une obligation pour les plateformes d'évaluer les risques systémiques qu'elles font peser sur la santé mentale de leurs utilisateurs et en particulier des enfants. Il nous faudra donc être particulièrement vigilants à l'application de ce règlement, la manière dont les autorités compétentes, et en particulier dans le contexte français, seront chargées de vérifier la bonne application de ces règles nouvelles. Et s'agissant des filtres, je n'ai pas de réponse plus spécifique à vous donner que celle-là. Si les filtres sont utiliser ou utiliser d'une manière qui compromet la santé des enfants, alors il faudra tenir les plateformes à leur engagement de respecter la règle, sous peine de quoi, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais le DSA, il faut quand même le règlement sur les services numériques, il faut le rappeler, c'est 6% du chiffre d'affaires la première fois, et en cas de récidive, c'est interdiction de diffuser sur le territoire de l'Union européenne. Sur la question de la présidente, pour moi, s'il y a de la pornographie sur Twitter, alors Twitter tombe sous le coup de l'article 22 et de l'article 23 de la loi du 30 juillet 2020. C'est-à-dire qu'il doit vérifier que ses utilisateurs ont plus de 18 ans. Car il est interdit dans notre pays d'exposer des mineurs à des contenus pornographiques. Point.
Il n'y a pas de caveat, il n'y a pas d'aménagement possible à ce principe fondamental. Et donc, je crois qu'il faudra, une fois que cette loi sera véritablement appliquée, que l'ensemble des sites qui autorisent, qui tolèrent la présence de contenu pornographique, il faudra qu'ils adoptent une limite d'âge qui correspond au droit français, c'est-à-dire 18 ans. Même si c'est quelques contenus pornographiques dans un océan de contenus. C'est mon interprétation. J'espère avoir raison. Je crois que la proposition que vous faites de confier aux conseillers numériques un rôle de sensibilisation vis-à-vis des écrans est une très bonne idée. Ils sont confrontés à des publics qui, pour une majorité, sont plutôt éloignés des écrans que de les surconsommer, mais ça serait sous-estimé, comme je disais tout à l'heure, la part des jeunes qui entrent dans une maison France Service, dans un CCAS, pour chercher de l'aide à l'autonomie ou un accompagnement numérique, alors qu'ils consacrent déjà beaucoup de leur temps, peut-être trop, à l'utilisation des écrans. Sur la formation des enseignants, c'est effectivement un très bon point qui sera peut-être abordé au moment de l'examen et de la discussion autour de la proposition de loi de Madame Janvier, puisque il y a un certain nombre d'éléments qui sont contenus dans cette proposition, enfin dans ce, plus précisément dans le plan de prévention qui est proposé par Mme Janvier, qui a des éléments d'ordre législatif, mais d'autres qui le sont, qui sont d'ordre réglementaire ou de politique publique. Et peut-être que cette idée de la formation des enseignants en fait partie. Et sur le laboratoire. Alors, le laboratoire a été lancé le 10 novembre dernier, c'est-à-dire la veille du Forum de Paris pour la paix, par le président de la République, et qui est une initiative que l'on qualifie de multipartite, c'est-à-dire qu'elle associe des États, mais aussi des ONG et des grands groupes, pour essayer de parvenir rapidement à des solutions à certains des grands problèmes de notre époque. Et le problème auquel s'adresse s'attaque ce laboratoire, c'est celui de la protection des enfants en ligne. Et à ce stade, le laboratoire héberge, si l'on peut dire, 5 expérimentations qui associent donc des États, des ONG et des grands groupes du numérique. Le premier, qui est celui que j'évoquais tout à l'heure, qui est la vérification d'âge, expérimentation qui va commencer au printemps. Le deuxième est une expérimentation qui est portée par Point de Contact, qui est une association, et qui vise à lutter contre le partage non consenti d'images intimes via la création d'une base de données de HIS, comme je l'évoquais tout à l'heure, pour la lutte contre la pédopornographie. Sauf qu'il s'agit ici de photos intimes non consenties. Donc, il ne s'agit pas nécessairement de photos pédopornographiques, mais tout simplement d'images qui n'ont pas vocation à circuler sur les réseaux sociaux puisqu'elles ont été diffusées contre l'avis de la personne auquel elles appartiennent. Le troisième est un projet de l'association Respect Zone pour favoriser la lutte contre le cyberharcèlement via la mise en place de référents médiateurs. Donc là, l'idée, c'est que lorsque vous avez une montée de la violence sur un réseau social, que des médiateurs identifiés en lien avec la plateforme sur laquelle cette montée de la violence se produit, qui s'interposent entre les deux parties pour essayer de trouver une solution d'apaisement. La quatrième est une expérimentation par Meta, d'un vérificateur d'âge qui passe par la reconnaissance de l'âge à partir de photos du visage grâce à l'entreprise britannique Yoti. Et le cinquième projet est l'idée développée par le président de l'Estonie de créer un numéro d'urgence et la mise à disposition de référents sur les réseaux sociaux pour les enfants victimes de harcèlement. Nous avons réuni les parties prenantes au laboratoire il y a 15 jours, Le 30 janvier. Oui. Le 30 janvier. Pour leur demander un bilan d'étape. Et je souhaite, à l'issue de cette réunion, j'ai souhaité que nous ayons un nouveau bilan d'étape avant la fin de l'hiver,
pour que les projets avancent. Et j'ai sollicité de la part des partenaires privés, enfin entreprises privées du laboratoire, une participation un peu plus active pour que nous puissions faire aboutir l'ensemble de ces projets et pas uniquement ceux qui sont déjà bien avancés. Merci, Monsieur le Ministre. Mes chers collègues, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Ça tombe bien, le ministre doit partir d'ici quelques minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci, je ne sais pas s'il y avait un point qu'on n'aurait pas abordé, que vous souhaitiez porter à notre connaissance. Oui, merci. Merci à vous. Non, merci à vous. Merci beaucoup, en tout cas, Monsieur le Ministre. Et on reste, bien entendu, à votre écoute pour échanger sur différents sujets. Mes chers collègues, je vous demande deux petites secondes. Comme vous le savez, on a plusieurs propositions de loi qui arrivent avec pour thématique tout ce qui est en lien avec le numérique, notamment, on l'a évoqué, celle de Caroline Janvier, mais également Bruno Studer, mais également Monsieur. Pour ce faire, nous avons souhaité lancer une mission flash. Des appels à candidature avaient été